Alors là, je sais pas si on voit un peu, mais j'ai vraiment le bas de leur cuisse. Enfin, pour moi, il est visible à l'œil nu. Sur la caméra, je sais pas si on le voit. Je vais poser le téléphone devant, je vais juste me repositionner pour essayer de voir l'Arcus en photo. Ça commence vraiment à se rapprocher. J'en ai déjà un bout dans la boîte, donc il doit pas mal.
Ouais, puis franchement, ça faisait un petit bout de temps là, que j'avais rien eu là, donc ça fait plaisir à voir quoi. Donc là, l'Arcus il est vachement long, je sais pas si on l'aperçoit un peu là. Il commence bah, voilà, de là où on vient de voir, jusque de l'autre côté là. Ça va, c'est cool si c'est vide. Bon, ce qui est dommage, c'est que là j'ai des habitations de ce côté-là, là où je suis. Une fois qu'il sera passé de l'autre côté, je devrais être en champ un peu plus libre. Donc ça sera peut-être mieux visible après quoi. Alors là, il est magistral. Alors celui-ci était vraiment énorme. Ouais bah là ce que je vois tomber actuellement c'est ouais ça commence sur Nancy hein, sur la périphérie de Nancy. Par contre, il y a le rideau de flotte là qui est en train d'arriver. Donc, je vais peut-être couper si ça se rapproche un peu trop. J'attendrai que ça passe au-dessus de moi. Puis, une fois que ça repartira de l'autre côté, je pense rediffuser après quoi. Je vais couper parce que j'ai le vent qui commence vraiment à se lever. C'est vraiment presque du noir. Donc je recoupe et je remonte.